Aujourd'hui, à la résidence Ptolemy Le Plessis, nous recevons Florian Baron pour une prestation musicale. Ça s'appelle un oud. Je pense qu'on peut jouer ce qu'on veut, que c'est comme un violon. Avec un violon, on peut jouer les répertoires du monde entier, de la musique classique, du jazz, du baroque. Les résidences de personnes âgées, je pense que c'est un des endroits où ça a encore beaucoup de sens d'aller jouer. Je ne sais jamais ce que je vais jouer à l'avance. Les résidents disposent soit d'un logement de 33 mètres carrés pour les jeunes, les personnes seules, soit d'un F2 pour les couples d'un peu plus de 50 mètres carrés. Et nous disposons aussi de deux chambres temporaires pour accueillir les personnes soit en attente d'un T1, soit pour libérer un petit peu les familles qui ont besoin de souffler. Alors nous offrons, hormis le logement, la restauration le midi, possibilité aussi d'avoir un complément du soir pour ceux qui le souhaitent. Et sinon, il y a beaucoup d'animations, de la gymnastique douce à l'après-midi jeux de société, au loto, au maintien de l'équilibre. Les résidents sont très friands des interventions extérieures, que ce soit chantant, dansant. La particularité de notre établissement, c'est que nous avons justement notre propre service d'aide à domicile. Ce qui permet au personnel de travailler chez les résidents le matin pour faire de l'aide à domicile. Ce qui permet également aussi aux résidents de bien connaître le personnel puisque ce sont les mêmes personnes qui vont intervenir chez elles et dans les locaux communs. Nous avons un cuisinier tous les jours de l'année. Nous ne faisons que de la cuisine traditionnelle, ce qui permet d'avoir d'abord des très bons repas et ensuite de s'adapter très facilement à tout régime. Les jours de fête, on mange à la perfection. C'est autant qu'au restaurant. Le personnel est très très gentil. Vous les appelez, ils sont là 10 minutes après, même pas. Moi, j'ai rien à dire que du bien d'ici. La résidence Ptolemy Le Plessis dépend de la mairie de Coulaines, du CCS plus précisément.